Essayez. Vas-y, chérie. Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on a Peridaïsa. Bonjour. Dorsi. Oups, allez, on rentre. Go. Ouf, bien chaud aussi. Pour ce vent.
je suis de retour. Salut, comment ça va? Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je viens de faire des vidéos ASMR. Ah, je suis vraiment super contente. Je vous ai fait aussi un petit post sur YouTube pour vous dire que ben voilà, j'ai encore été absente. Et vraiment, sincèrement, je vous présente toutes mes excuses encore une fois, mais j'ai un manque de temps cruel. En plus de ça, en plus du manque de temps, je veux dire, mon fils n'arrête pas d'être malade. Depuis Pâques, ça a été très mouvementé. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû faire dans la maison. Enfin, je devais faire dans la maison, j'ai dû mettre en stand-by parce que j'ai fait une intoxication alimentaire. Enfin. Et d'ailleurs, dans ce vlog, je vous partage donc à deux reprises. Vous verrez qu'on est allé à deux reprises à Péridesa, parce qu'on a fait un abonnement aussi, donc voilà, nous sommes aussi rendus un week-end à la mer qui était très nécessaire et où j'avais besoin, après une bonne intox qui... J'ai vraiment cru que j'allais y rester, sincèrement, en fait j'ai mangé à Péridesa, dans une brasserie, et comment dire, on a... dû faire aller l'affaire carrément jusqu'à l'AFSCA qui est descendue sur place, qui s'est rendu compte que le restaurant en question dont nous sommes allés manquait d'hygiène et le burger que j'ai ingéré a été rendu impropre à la consommation. Et ce qui m'a rendu extrêmement malade, à un tel point en fait, j'ai perdu en une nuit, j'ai perdu 3 kilos tellement j'ai gerbé, je vous passe les détails. Je vous parle cash, hein, c'est pas nouveau. Voilà, j'ai été très mal. Et il fallait un moment, je me suis dit, là, c'est le moment où je dois vraiment m'octroyer une pause. Parce que j'étais pas bien, je veux dire, j'avais besoin aussi d'une réponse par rapport à mon employeur. D'ailleurs, maintenant, je peux vous en parler. Parce que, donc, j'ai mon intox alimentaire. Ensuite, on est parti à la mer du Nord. Et la semaine qui a suivi, voilà, j'ai mis un moment de pause. Je vous avais prévenu sur YouTube aussi que je faisais une petite pause qui était nécessaire. J'ai beaucoup pleuré aussi. Et quelques jours après, je reçois un mail de mon ancienne chef qui me faisait part de la résiliation de mon contrat avec mon employeur. Alors, je précise que c'est volontaire. Je n'ai pas été mise à la porte, c'était une décision qui a été prise il y a bientôt un an déjà de ma part. Et j'attendais avant de vous en parler, mais l'employeur ne répondait pas, on a été mal informé. Enfin bon, il y a tout un bazar voilà, pour vous dire que la justice et moi, c'est terminé. C'est un réel divorce et voilà, c'est terminé, Je ne vais pas spécifier où j'ai travaillé ni rien, mais juste pour dire que ça a été un véritable enfer pour moi et je crois que je vais vous en faire une vidéo bien spécifique par rapport au burn-out en fait que j'ai fait parce que ça m'a détruite, sincèrement. Et il était temps qu'on y mette fin. Ça faisait, comme je vous dis, on est parti dans le sud de la France, ça va faire un an. Et je m'étais dit, je vais profiter de ces vacances-là pour... réfléchir à la question, voir s'il fallait continuer ou pas. Et dès que je suis revenue de vacances, j'ai dit à Gaëtan, j'écoute, là c'est tout, c'est terminé, je ne serai plus, j'aurai plus la force, ni physique ni mentale, de retourner là-bas. Ça fait trois fois que j'ai travaillé pour eux, j'ai travaillé aussi ailleurs avant pendant plusieurs années, mais étant donné que j'avais un contrat Rosetta, en fait, beaucoup de Français me suivent, donc les contrats Rosetta, en fait, à l'État, chez nous en Belgique, ce sont des contrats que l'on a jusqu'à nos 26 ans. Et au-delà des 26 ans, bah, souvent ils nous gardent pas, ou alors parfois ils nous gardent, mais ils font un petit contrat en interne. Et là, bon, malheureusement, au manque de budget, je n'ai pas été renouvelée à mon ancien boulot, là où j'ai rencontré mon mari. Mais avant, j'avais travaillé trois fois pour la justice, trois fois pour des directions générales différentes, et trois fois c'était du n'importe quoi. Et je sais que je n'ai pas été la seule, d'ailleurs des anciens collègues là où je travaillais avant la justice, enfin là où j'ai travaillé, parce que j'ai travaillé à la justice avant, puis dans un autre endroit où j'ai rencontré mon mari, et après j'ai encore travaillé pour la justice, donc, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis pour cet organisme-là, qui ont fait un burn-out carabiné, et qui ont été après méconnaissables. Ça a été une cata, et je suis... heureuse de voilà d'avoir sur le moment j'ai eu quand même un état de choc parce que ça faisait tellement longtemps que j'attendais d'avoir des nouvelles que là je m'y attendais plus du tout
Et comme je vous disais, après la mer, là, ce vendredi là, qui a suivi, j'avais un email qui mentionnait résiliation de contrat. Je me dis, tiens, c'est bizarre, je viens d'aller voir dans ma boîte mail, enfin dans ma boîte, ma boîte aux lettres, et je n'ai rien reçu. Et en effet, entre-temps, je crois que le facteur est arrivé un petit peu après, et j'ai reçu en effet une lettre de résiliation, mais il me manque un C4. Et sans ce C4, je ne sais pas avancer. Donc voilà, je suis encore dans l'attente. Mais en tout cas, avec eux, c'est terminé. Je suis bien contente. Et je vais regarder comment je peux vous préparer ça. Mais je vais vous en parler parce que franchement, le harcèlement et le burn-out peuvent vraiment détruire une personne, une vie même, un couple, une vie de famille. Mais voilà, c'est que pour du positif, hein, maintenant. Je repars sur de bonnes bases, mais il m'a fallu un bon moment avant de rallumer ma caméra. Je sais qu'entre-temps, je vous ai fait une vidéo ASMR, il me semble, sur un de mes derniers tarots, qui est juste là, Histoire de sorcière. Et depuis, voilà, j'ai eu un gros manque de temps. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient nécessaires, donc... avant de reprendre les vidéos, et je me suis dit, bon là, je vais vous mettre quelques images avec un petit fond de musique pour vous montrer les dernières semaines, en fait, qui se sont écoulées depuis. Là, je viens de vous filmer encore deux vidéos ASMR. Et voilà, donc, et j'en ai une autre encore en préparation, mais je dois faire un... Je prépare une voix off, hein, bon voilà, j'ai des choses à faire, mais je suis super contente d'avoir rallumé ma caméra. C'est un grand bonheur pour moi, ça fait partie de mon équilibre, faire des vidéos. Je vous assure que les fois, en fait, quand vous voyez que je ne poste rien, il faut bien vous dire que moi, ça me met mal. Voilà, comme ça, je vous dis carrément, c'est pas que j'en ai rien à cirer, ni rien, c'est que si j'ai rien pu vous poster, ben, dites-vous que si je ne vous poste rien, moi, je suis vraiment pas bien, parce que faire des vidéos, ça fait vraiment, maintenant, depuis 4 ans, plus de 4 ans, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon quotidien, mon petit équilibre, c'est ma créativité, ma passion qui parle. Et voilà, je voulais vraiment vous reprendre ici en fin de vidéo pour discuter brièvement de ce qui s'est passé ces derniers temps et le pourquoi du comment j'étais absente en fait, hein. Bien que j'ai pas à me justifier encore une fois, je me dois de le faire parce que j'ai quand même plus de 1000 personnes qui me suivent et voilà, donc je suis très contente de pouvoir vous parler de tout ça. Voilà, petite mise à jour. J'aimerais aussi vous rappeler qu'il y a, j'avais lancé des candidatures en fait déjà pour des tirages, donc n'hésitez pas à aller voir dans l'espace communauté ce que ça dit, des tirages gratuits que j'offre aux premières personnes qui allaient me contacter en privé. Et ensuite, si vous avez des histoires qui vous sont arrivées ou qui sont arrivées à quelqu'un de proche ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires, en tout cas que l'on puisse se connecter. Donc on ne vous verra pas, on ne verra pas votre visage, mais en tout cas j'aimerais en faire des podcasts en fait et j'aimerais partager ça avec tout le monde, de discuter avec vous de toutes ces choses qui sont un peu mystérieuses pour vous et pour les autres. Voilà, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites candidatures via mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos, autant pour des tirages, les gratuits, les tirages autres que vous souhaitez faire avec moi. Et bien sûr, eh bien, si vous souhaitez participer au podcast, au Spiritcast que je vais faire, eh bien, faites-moi part et ce sera avec grand plaisir que je vous recevrai. Merci encore d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. La bise, à bientôt.